En revanche, elle cultive un goût particulier pour les tout petits plaisirs. Plonger la main au plus profond d'un sac de grains. Briser la croûte des crèmes brûlées avec la pointe de la petite cuillère. Et faire des ricochets sur le canal Saint-Martin. Lui, c'est l'homme de verre. À cause d'une maladie congénitale, ses os se cassent comme du cristal. C'est pour cela que tous ses meubles sont molletonnés. Une simple poignée de main risquant de lui broyer les métacarpes, ça fait 20 ans qu'il évite de sortir de chez lui. Le temps n'a rien changé. Amélie continue à se réfugier dans la solitude. Elle prend plaisir à se poser des questions idiotes sur le monde ou sur cette ville qui s'étend là sous ses yeux.